Coup d'État au Gabon, des militaires annoncent la fin du régime en place et dissolvent les institutions, les frontières fermées. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage! Un groupe d'une douzaine de militaires gabonais a annoncé mercredi vers 5h, 6h en Belgique, dans un communiqué lu sur la chaîne de télévision Gabon 24 abritée au sein de la présidence, l'annulation des élections et la dissolution de toutes les institutions de la République. Ce jour, nous, forces de défense et de sécurité, réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre et toutes les institutions de la République sont dissoutes. Pendant cette déclaration, des journalistes de l'AFP ont entendu des tirs d'armes automatiques à Libreville, la capitale.